On a récupéré une statue de cire avec à l'intérieur vraisemblablement une clé. Ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est amener cette statue de cire à un endroit où il y avait un four pour qu'elle fonde. Toutes les lumières que vous voyez autour. Ok. S'adapte à ce qui se passe dans le jeu. Ok. Oh. Faut du feu. Peut-être ça pour souffler le feu. Ah ouais. Bah non, tu... Non. Je vais me brûler la main. Je vais attendre un peu que ça refroidisse. La clé est froide maintenant. Vous voyez ? Vous voyez, mais même ça, c'est géré. Mais même ça, c'est fourbe. Même le jeu t'explique que tu peux mourir de brûlure. Mort en saisissant une clé. J'aurais pu perdre un doigt et un sonotone. Attention. Ouais, je me dis. Ouais. Plate appartenant au père Agono, abbé de Sainte-Cécile. Le travail sur l'anneau est à peine visible maintenant. Dans le cimetière, un emplacement pour une clé. Est-ce qu'on va là-bas? Mais on sait qu'il va se passer quelque chose de louche. On sait qu'il va se passer quelque chose d'horrible. On le sait! Bah oui, en sachant. Mais il est trop mignon, le petit rat! J'ai envie de l'adopter. Je sens qu'il va y avoir les démons de minuit, là. Ok. Ok, j'ai deux clés. On dirait des clés jumelles. Attends. Ok, il n'y a rien là. Il m'entraîne jusqu'à l'incendie. Là, c'est trop louche. Je vous jure, c'est trop louche. Là, je fais comme si ça allait bien, mais ça, il n'y a rien qui va. Ok, la clé là-bas ne sert à rien. On n'a pas d'autre clé. Attends. Il n'y a pas un autre endroit pour mettre... Non, non, la crypte. Oh, je veux plus jamais y retourner à la crypte. Ah mais la crypte, plus jamais de la vie. Ici, pour aller à l'étage. L'étage où on cuisine de la mortadelle maléfique. C'est dingue comment je fais attention à pas me tromper de porte. Donc là, il me semble qu'il faut qu'on monte dans le petit labo. Parce que dans le petit labo, il y a des... Mais j'ai peur du zéro attaque. Dans le labo, il y a de quoi faire des potions. Ambiance Charlotte of Fraise, peut-être hein. Oh, j'aurais jamais dû dire Charlotte of Fraise, pardon. En plus.
J'ai l'angle de caméra qui me montre même pas où il est. Ah, je prononcerai plus jamais ce trigger word. je crois que je me suis trompé de côté. Aucune raison de venir là. Là, le move que vous m'avez vu faire, c'est que avec les deux gâchettes, je devais rester appuyé lentement et faire une pression lente ou moins lente. Parce qu'il captait en fait la puissance de la pression, les deux en même temps, pour que quand j'appuie l'intérieur blanc, il grandit. Quand je relâche l'intérieur blanc, il se rétrécit. Et il fallait suivre les pulsations. Là, on est dans un endroit où apparemment, dans un monastère, dans une abbaye, où justement, les moines ont fait un genre de grand concert maléfique. Et sont tous morts à la suite de ça. Ok. Ok. Note sur les plantes! La serrure de l'entrepôt est complètement recouverte de rouille. Il me faut une substance corrosive pour l'ouvrir. Et le mélange de Diatilogos fera parfaitement l'affaire. Après avoir ajouté du non illisible. Il l'a préparé. Diatilogos, attends, ça pousse partout. Mais j'ai du Diatilogos. J'en ai là, hein. Un bouquet de fleurs. Oh. Oh. Les fleurs. Dans les recettes, il y a quoi? Diatilogos, fais voir. On a un Dumbria. Ok. Un Diabra. Oula, va falloir noter, va falloir noter. Il va falloir noter. J'ai pas de papier, je suis obligé de prendre... J'ai pas envie de faire ça. J'ai un carnet de notes sur lequel je note le boulot avec Monolith. Avec Monolith. Quel est l'éditeur qui publie Batman en France. T'imagines, si je vois mes notes comme ça de boulot avec Monolith et je vois marquer Diatilogos, alors... C'est-à-dire, je vais faire quoi pour Monolith? Fabriquer une potion contre les crash limaces. Diatilogos, c'est un Diambra. Un Diambra... Alors, c'est un Ambrinus, un Escamonaire. Le deuxième, c'est un E. Ça fait F-E-A-B-D-C. Ce sont des lettrines... Faut pas y aller dedans, quoi. Un peu comme... celle qu'on trouve dans les champs du Hellfest. L'heure du verdict arrive! Alors. B. 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 D. A. A. B. Avec des glaçons, s'il vous plaît. Bah, je pense qu'il faudrait que... comment il s'appelle déjà? L'autre qui fait du luminol. Je pense que... Le twist final, c'est que les deux derniers suivants seront René et Ernest,
qui vont finir par monter et en fait ça sera le nouveau Breaking Bad. Tu vois, ils vont sortir du Virgin Mojito à 99% pur, tu vois. Attention. Là, faut l'imaginer en train de faire. Hein? Ils sentent mauvais. La sève commence à suinter à travers le tissu. Ok. Il manque un ingrédient, ce mélange. Excusez-moi. Ah, il vient de faire, il vient d'inventer le concept du bouquet. Ah, c'est un bon mélange. À présent, je n'ai qu'à tout faire bouillir. Quand les collègues verront ce que je sais faire. Ils n'en reviendront pas. Evil. Pot pourri of horror. Ah, le mec, il s'arrête devant tous les trucs d'alcool. Il trouve ça incroyable. Et il se fait une tisane, tu sais. Faisant attention, je pourrais l'utiliser plusieurs fois. Ok. Excusez-moi, je scoop parce que ce serait dommage qu'il y ait des sédiments qui... Ah, tu sais, à l'époque, au monastère, quand ils se préparaient des mojitos, c'était... Je sais totalement de quoi je parle parce que moi, à la base, mes ancêtres, juste avant que mes parents soient ambassadeurs, on était... c'était des moines qui préparaient des mojitos aussi. Ça vient de là. Shakiri, tu vois, la racine latine de mon nom iranien, ça vient exactement de là, tu vois. C'est pour ça. On va l'inventer. Sinon, il n'y aurait pas de cohérence. Bien sûr. Il y a un truc à boucher, il y a un truc qui s'est barré. Hein. Ça courait. Hein. L'infirmerie. Ok. Le fameux bruit qui court. Ok. Là, il y avait un corps sur lequel on avait récupéré une clé. Si je dis pas de bêtises. Ok. Sur une échelle de... 1 à 12. C'est rassurant comment? Pourquoi je peux y aller là? Non. Ah! J'en ai 2 sur 4 là du coup. C'est là où je dois amener les 4 clés. J'ai la verte et la rouge. Ok. Il manque la violette et la jaune. Pfff. Rassurant, niveau 400! Est-ce qu'il faut qu'on... Oh non. Il faut qu'on retourne dans la cabane du cimetière, là? Parce qu'il y a la cabane du cimetière avec une porte qui n'a pas été ouverte. Oh. Comme il fait froid, avec le dégrippant... Mais oui! Mais oui! En fait, je veux pas y aller, c'était... J'aimais bien quand on passait. Non. Bon, on va ouvrir le sarcophage. Ugh!
Non, pas ouvrir toutes les tombes, je dois réfléchir. La mort qui pointe ça. Et lui qui dit, faut pas que j'ouvre toutes les tombes. Mon petit doigt me dit... que non, non, non. Non, non. Non, je viens juste d'arriver là. C'est la première fois que j'arrive ici. Oh, cet angle de nul! C'est soit pour dire ça, soit pour dire, regarde, ta mort prochaine, c'est Giga Chouettos. L'esprit d'équipe est toujours cru en vous. Et vous voulez savoir ce que je pense? Tendez l'oreille. Ernest tout craché. Faut refermer les tombes maintenant. Non, je pense que les gens à l'intérieur des tombes vont refermer ça tout seul. Mon... Ah, je... En huile pour tout cramer. Franchement, faut que je fasse un combo... briquet... Phasmo et Sungofor pour tout cramer. Il y en a un qui a de l'huile et il y a l'autre qui a les briquets. Je pense qu'il y a un truc à faire. Charlotte aux fraises. Oh non! Je sais pas ce que je ressens. Une alerte, Charlotte aux fraises. Ah, mais deux fois. Non mais, je l'ai pas tenté à chaque fois en plus. J'ai pas parié le truc tout le temps. On est d'accord. Ok. Trois clés. C'est là à gauche. Il semble qu'il y a un Kaji Bibibi. Dégrippe-moi tout ça. Je m'y ferai jamais. Je vous jure, je m'y ferai jamais.
Mais jamais de la vie, jamais je m'y ferai, jamais. Très bien. Cette solution est incroyable. Elle a totalement éliminé la roue. Page de pub Ultrax. Avec Ultrax, je peux déboucher tout l'évier. Et même si je suis dans un monastère complètement maléfique, tout est nettoyable. Et oui, 200 ans de crasse ne peuvent rien face à mon... Pardon, face à Ultrax. Et quand j'ai soif, je peux même utiliser Ultrax, car Ultrax est utilisé avec des produits détoxifiants qui sont naturellement prélevés dans la nature. Ultrax! Je me sens tout détoxifié. Ah, il y a vraiment un bruit chelou, je peux pas y aller. J'ai enfermé mes frères comme s'ils étaient des animaux. Et je les ai laissés mourir. Oh. Oh. C'est tout, je suis juste venu pour ça. J'ai même pas une PS5. Rien. Non mais c'est un deck. Ouais. Les pièces sont... Attendez. On les met pas dans la machine du basilic? Non. La manivelle, j'avais laissé au niveau du puits? Ah ouais, j'avais laissé... Mais oui, j'avais laissé la manivelle au niveau du puits, mais totalement. Mais là, si je vais à l'intérieur de... Ici, il va se passer une dinguerie, là. Non ! Ok. They can't still be here. Ok. Alors, qui c'est qu'il faut que je remercie, bien sûr, évidemment. Ok. Eh ben non. Pas la manivelle. Oui. La manivelle de la trappe. Ça s'appelle la Visconti, ça. Ok. Il y a un truc tout droit là. La manivelle. Oh, oh, oh.
Je l'ai, mais il a pas dit que je l'ai. Je l'ai, mais il a pas dit que je l'ai. Je l'ai. Je l'ai. On va quand même tous mourir. Okay. Où est la manivelle? S'introduire dans le couloir accueillant. On va faire ça, on va faire bouger l'encensoir. Ok. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de ch... Chat. Ok. Ok. Attention. Ah! Oh, whoa. Jesus, that must have been the thurible. Or something equally heavy. Ok. Qu'est-ce qui peut être aussi lourd qu'un encensoir qui pèse un cadavre? Était bouché, hein. Ma subtilité lorsque je joue à Gungrave Gore. Là, ça aurait été trop stylé s'il y a un bras qui sortait, tu vois, pour me saisir à la main. Oh là, oh là, oh là, là. Qui va nous emmener vers notre mort certaine. Oh, intéressant ça. Oh, je ne sais pas du tout ce qu'était cette musique. Bien sûr.
Ernest, wait. Stop. Don't cross that door. It's the same door. Oh, c'est la même porte que j'ai vu chez Usher, il ne faut pas la passer. Don't cross it. If he's in there, I should go in. I've been there before. Well. All right. Please find Sebastian. Non mais non, je veux pas y aller. Toi, vas-y, Ernest. Mais vas-y. Toi, oui, vas-y. Ernest, vas-y. Oui. Va là-bas. Va là. Va là. Oui, vas-y. Mais vas-y. Voilà. Ernest. Oui, vas-y. Je veux pas y aller. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. Attends, deux secondes, je vais vérifier un truc. Non, j'ai pas de touche A sur ma main. Ernest. Du coup, je peux pas... ouvrir la porte. Là. Ça. Il va se faire gober. Mais l'autre tient la porte. Usher has to be in here. It's time to put an end to this nightmare. Oh, y'a rien. Et il l'a pas vu, le pendu. Comment je sais qui... Merci. Comment tu... C'est ce qu'on avait vu au début. Des grilles, oui, irrationnelles. Aléatoires et dérangées, probablement écrites par les moines qui étaient piégés ici comme des rats. J'ouvre les portes. Oh, c'est exactement le même endroit. Ah, le même endroit, le même endroit. Merci, papa. Je me souviens plus c'est quelle porte. C'est la deuxième porte, hein. C'est cette porte, me semble, hein. Il me semble que c'est cette porte. On le crucifie. Fais un truc.
Je sais pas. Aïe. Non. What the hell is happening? Oh God. Mr. Husha? Shit. Oh shit, shit, shit. Mr. Husha. No, 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 no. Sebastian. Oh shit. Fuck. Oh, he's dead. Fuck, man. Fuck. This is the same place. The same room. What's happening? Huh? Comment ça? Je ne vois rien de bizarre. Laisse passer un truc. Je vais être poursuivi par. What? No. Where the hell am I? Hello? What? Nadar, Ghost de Grande. Réflexion, expérience du créateur de la boîte de musique. Quoi? Non! Cette fille, comment se fait-il qu'elle ne semble pas me voir? Qu'est-ce que... Oh mon Dieu. Je l'ai vu, c'était quand j'étais... J'arrive pas à savoir ce qu'elle dessine. What the hell? C'est quoi nom d'un cucu? Il était un peu fort le mojito de chaussée aux moines. Okay. C'est pas des biscuits secs. Non, non. Holy shit, this can't be happening. I must be seeing things. Oh shit, Dan. Wake the fuck up, man. Okay. Non. Non. De retour. Oh, Mr. Neuer, are you all right? Did you find Sebastian? Mr. Finnegan, Sebastian is dead. What?
Oh, my God! How? I'm sorry. Shit. Let's get out of here, please. I don't have much time. Sebastian. Wait. What do you mean you don't have much time? He said the same thing on his way here. And I? Jesus! If only I'd paid more attention, if only I'd done something! I don't think there's anything you could have done, really. Maybe. But maybe I can do something for you. Thanks. All I need right now is to get out of here. On our way, then. Husha died in there, trapped. He probably struggled and screamed until he went mad trying to find a way out of that godforsaken place. Like me, only, in his case, nobody got there in time. I imagine he thought that there was a quicker way to go, the same way that Faba chose. And maybe I would have done the same in his place. What I saw myself do in that mirror was just too much. Is this what lies ahead? Maybe I already know it, but I'm trying to hide it from myself. Maybe deep down, I know it's a hideous omen of what the future has in store for me. Maybe I know that, like everyone who's come across that cursed box, I too will take my own life. That I would rather surrender to death than face whatever it is that lingers behind that infernal melody. I should burn the thing. Make that melody vanish from the face of the earth. But what about Ariadne? She's alive. What if only the box can stop this? I can't destroy it without knowing for sure. Maybe there's something in Legrand's diary. Oh God, I need to rest and gather my thoughts. I need to sleep. I can only hope the nightmares won't be as horrible as real life.